Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir mes belles âmes plutôt. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même, nous joignons ce dimanche 15 mai 2022, vous souhaiter une bienvenue chaleureuse sur cette guidance. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour à l'unisson, il faut savoir que c'est l'amour qu'on va chercher à s'unir avec les autres dans la matrice, parce que nous avons cheminé, parce que nous avons ensuite, d'abord, premièrement, pris l'amour divin, qui est cet amour qui appartient au Tout-Puissant. Et qu'il est venu nous faire travailler notre amour de soi. C'est l'amour qui est le plus important. À partir du moment où on commence à s'aimer, on est en détachement avec beaucoup de choses. On n'est plus en souffrance. Et à ce moment-là, on peut aller s'unir avec les autres. C'est là où on peut parler également de complétude, souvent, pour des personnes qui sont dans les liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs, qui sont des liens qui sont souvent beaucoup en souffrance. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, on a des super informations qu'on vous a données cette nuit. Soyez attentifs, asseyez-vous confortablement. Parce que cette nuit, j'ai été réveillée, mes belles âmes, par notre maman, la divine, la Vierge Marie, pour vous apporter des messages particuliers aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes qui sont sur cette guidance ont déjà compris leur chemin, leur voie. Et bien sûr, je ne peux enclencher la suite sans remercier tous les abonnés qui me suivent sur cette chaîne, toute la communauté qui est présente et active sur les commentaires, qui travaille également sur elle-même. Merci mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Comme j'ai dit, ça, vous savez déjà. Merci d'être là, merci d'exister. Alors, mes belles âmes, il y a beaucoup de messages. Mais aujourd'hui, on va travailler avec ce tarot de 78 portes, celui-ci. Alors, qui c'est qui le fait? De 78 portes. Pietro Aligo. Pietro Aligo. Et aussi, by Artwork by Antonella Platona. Je pense, je ne sais pas si c'est italien ou. Je pense, hein. Je pense, j'espère que ce n'est pas espagnol, que je ne dis pas de bêtises. On travaillera également avec ce tarot, le tarot de la nuit. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà, je vais le mettre comme ça, le tarot de la nuit. Et il a été illustré par Alexandra Bach, Carole, Anne, quelque chose, je ne sais plus, je n'arrive pas à voir avec le reflet de soleil. Je ne vais pas me plaindre parce qu'aujourd'hui, on a un très beau soleil à Paris. Alors, on va les sortir, ces cartes, on va les mettre là, ces tarots, sur cette guidance de 21h avec Marie. Alors, voilà. Et on a également le tarot in between, entre deux mondes. Il est majestueux, hein, ce tarot. Regardez-le, c'est tellement beau. Et il est illustré, il a été fait par qui? Je vois là, c'est écrit Franco Rivoli, Jamin Worthington. J'espère que ce sont les personnes qui l'ont fait parce que si c'est juste la maison d'édition, je ne sais pas où. Janine Workingston. Voilà, Janine Workingston. Je pense que ça doit être américain ou je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Ma foi. En tout cas, je les mets là. Je vais les ranger sur le côté pour pas que ça nous prenne trop de place.
Et bien sûr, on aura toujours notre oracle, Maman Marie, le Christ et peut-être d'autres messages qui viendront se compléter dans ce tirage. Vous savez comment je travaille maintenant? Non. Allez, hop. Donc, je remercie la communauté pour les dons que vous faites. Merci, merci, infinie gratitude. Grâce à vos dons, on peut toujours avoir l'hôtel qui est bien habillé avec des jolies fleurs. Parce qu'évidemment, on est en appartement à Paris. Les fleurs, bon, généralement, ça tient une semaine. Hein? Voilà, et après, il faut les changer. J'essaie de les changer régulièrement. Il y a une consultante qui m'a dit, faut mettre du sucre et changer de l'eau tous les jours. Je te remercie pour le conseil, mais c'est ce qu'on fait déjà. Donc, voilà, les fleurs, je suis une adepte des plantes. Même dans mon salon, il y a des plantes partout, il y a des fleurs partout. Parfois, les gens avaient l'impression que c'était un magasin de fleurs, alors que c'était un salon de coiffure. Donc, merci vraiment, merci. Infinie gratitude. Et je vous remercie également, mes belles âmes. Vous avez remarqué qu'on a atteint les 1 million de vues. 1 million de vues sur cette chaîne, Marie-Fatma. On nous dit bravo, voilà. Plusieurs fois. On a fait deux classes. Merci, merci à vous tous. Merci. Alors, je vais prendre ce message, Astro Code, d'accord? Je vais demander ici un message avec ces cartes avant de commencer quoi que ce soit. Les messages que j'ai eu cette nuit, je vous les donner, ne vous inquiétez pas. Toute la guidance sera reposée même dessus d'ailleurs. L'essentiel de la guidance. On a une carte qui est tombée. On vous parle de clarifier quelque chose ici. Il va falloir clarifier quelque chose aujourd'hui sur cette guidance de 21h avec Marie. Clarifier quelque chose sur les relationship ici avec une personne, une amie, d'accord? On parle également, vous pouvez également regarder la septième maison. Tapez sur internet, regardez la septième maison. Qu'est-ce que la septième maison a comme message? Qu'est-ce qu'elle vous dit? D'accord? On parle ici de la structure. Il y a quelque chose qu'il va falloir construire autour de vous là. Une protection. Protéger votre maison, protéger votre environnement. Je vais essayer de prendre ce livre qui va nous aider un petit peu plus. Solar Calm. On vous demande ici de clarifier quelque chose. C'est en anglais, donc je vais essayer de le lire d'abord à voix basse et après j'essaierai de traduire. On nous dit que quand le soleil est calme, quand le soleil est calme, c'est qu'il y a quelque chose dans ta structure qui doit absolument changer et qui est en train de changer. Qui va t'apporter de la force. Alors aujourd'hui, on a le soleil. Hein. Il y a des gens qui cherchent partout à comprendre la métaphysique, donc ce sont les commentaires. On va vraiment savoir le but de cette carte qui nous parle de quoi. Donc, elle vient ici pour te permettre de te créer, de t'implanter dans ta créativité et d'être dans un process, dans une avancée, d'accord? On te dit que c'est difficile de commencer quelque chose ou de révolutionner quelque chose, mais quand cette carte elle apparaît, ça veut dire qu'on est en train de t'aider à avancer, à quitter quelque chose parce qu'il y a un processus qui a démarré, qui est en train de te guider dans l'invisible, dans la matrice, dans quelque chose que peut-être qui te dépasse aussi. On te dit
dans les actions que tu dois avoir. Et on te dit, premièrement, il faut d'abord juste apprécier la prochaine étape. Et de travailler pour garder ce progrès et jouer, qui doit se jouer dans un long terme, qui va durer dans le temps. De travailler de manière à ce que tu restes bien ancré, parce qu'il y a quelque chose qui va durer dans le temps ici. Parce que ça va... On te dit d'écouter la muse qui est en toi, la muse qui est en toi. Donc, tu vas créer quelque chose ici parce que tu es ta muse, tu es ta propre muse. On peut parler de quelqu'un qui est dans une matrice et qui commence à déployer son pouvoir, sa force intérieure ici. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas créer qui sera dans le domaine artistique, qui va être un art ou qui va être une art plutôt. Ça peut être l'art divinatoire, ça peut être de faire des tableaux, de la peinture, je ne sais pas ce que tu vas créer, mais il y a quelque chose ici que tu es en train de se manifester dans l'univers. Et ici, avec les relationships, ce que tu vas peut-être faire avec des amis, avec des personnes qui sont, on parle des alliances ici autour de toi, mais en même temps, on te demande de protéger ta structure, de bâtir ta structure pour ne plus laisser n'importe quelle énergie rentrer en toi, dans ta maison. On te demande d'écouter ta voix intérieure. On te dit que ce n'est pas le temps de procrastiner, de laisser faire les choses, de traîner les pas. Là, il y a un changement majeur qui vient. Alors, mes belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, il y a eu des attaques encore ce week-end. Et bien sûr, comme je suis la tête de file de cette chaîne, donc je les ressens plus peut-être que vous, ou je les ressens avant que vous les ressentiez, ou alors me montre des choses ici. Alors ce soir, ce 21 Ave Marie, sachez tout simplement que, premièrement, vous n'avez plus à avoir peur de ces attaques. Je sais que c'est facile à dire parce que vous n'êtes pas peut-être aguerri. Il y a certains qui ne sont pas encore aguerris, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mais restez ferme dans votre foi. Parce que cette nuit, il y a des personnes qui viennent en soins énergétiques chez moi, ou même en consultation. Cette nuit, il y a des gens qui sont venus, bien sûr dans un rêve, hein, saccager mes oracles. Parce que ça ne leur plaît pas que je vous donne des messages. Il y a des personnes qui sont venues en soins. Et comme je le dis toujours, je donne toujours une guidance avant de donner les soins. Mais il y en a qui me disent, je veux prendre tout en même temps. Donc, ils prennent la guidance et le soin. Je leur apporte les informations nécessaires. Les gens qui les poursuivent, qui les attaquent dans l'invisible, savent qu'on va les sortir de cette tourmente. Alors, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, un, ils essaient de vous faire peur. Mais même si vous n'êtes pas venu en soin ou en guidance, ce qu'on me dit de vous dire ici ce soir, c'est que bien sûr, c'est une guidance générale. Il y a nombreuses personnes qui commencent à avoir des attaques pour pas qu'on vous donne ces messages. Parce qu'on sait que vous allez sortir de la prison dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Ils savent de toute façon. Il y en a certains sur la chaîne qui sont déjà sortis de cette prison grâce à ces enseignements. Alors, ils savent que vous êtes en train de trouver le chemin. On vous a mis sur un chemin qui va vous sortir de cette prison. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, n'ayez pas peur. Toute cette nuit, j'ai été attaquée. Mais, comme depuis toute petite, ce sont des choses que je vis et que je sais comment ça se passe maintenant. Vous savez, vous allez faire comme moi. Vous vous mettez sur votre lit. Vous parlez à la Vierge Marie. Vous parlez à Jésus. Vous parlez à Dieu. Vous parlez au prophète Mohammed. Vous parlez à Fatma, qui vous voulez. Vous parlez à Bouddha. Je ne sais pas quelle est votre confession. Mais dans tous les cas, vous avez
un seul Dieu qui est là-haut, celui qui règne sur tout le monde. Et après, il y a des prophètes, il y a des archanges qui viennent pour nous accompagner. Vous lui dites, je te donne ma vie, Seigneur. Je te rends ma vie. J'ai dit à ma Marie ce matin, moi, quand tu m'as mené cette mission, je n'en voulais pas. Tu m'as traité de Jonas. Jonas, c'est celui, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jonas dans la Bible, mes belles âmes. Jonas, c'est celui que Dieu a envoyé à Ninive. Et Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il a fui, il est allé dans le chemin opposé. Peut-être que vous êtes une Jonas, peut-être que vous êtes un Jonas aujourd'hui, que vous me regardez. Il est allé dans le chemin opposé où Dieu l'avait envoyé. Et finalement, il a pris un bateau, il est rentré dans ce bateau-là avec d'autres personnes qui étaient là. Et dans le bateau, il a commencé à avoir des manifestations. Les gens ont compris qu'il y avait quelqu'un qui avait ramené le propre, qui n'était pas normal. Qui avait, comme on dit chez nous, l'ashkumul. Et ils lui ont dit, à un moment donné, ils ont jeté tout dans la mer en pensant que c'était peut-être parce que le bateau était trop plein. Mais ça continuait. Et ils ont dit, mais non, mais c'est pas possible. Il va falloir qu'on trouve la personne qui a ce truc-là, et qu'on la jette dans la mer, parce que nous, on ne peut plus, on va tous mourir. Et Jonas, mes belles âmes, je vais vous prendre le téléphone, je vais vous lire l'histoire de Jonas. Ça sera plus simple. C'est pas très long. Jonas, je n'avais pas prévu de faire ça, mais c'est l'Esprit Saint qui conduit. Merci, mes guides, merci. On dit ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amidaï, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Quand Dieu vous appelle pour faire son œuvre, mes belles âmes, c'est une œuvre noble. Quelle est l'œuvre dans laquelle vous allez faire? On parle de clarifier quelque chose ici. Dans les relations ici, on vous parle de mettre une structure dans quelque chose. Dieu, les plans qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Il nous le dit. Il nous dit ici, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Quand je suis ici, je suis en mission de Dieu. Il y a des gens qui me disent parfois, on a l'impression que tu nous engueules. Je te dis, écris contre elle. Amen. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas n'a pas obéi. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il y a des gens ici qu'on a envoyés à mission, ils ont préféré partir voir les marabouts, ils ont préféré voir, parce que peut-être que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous pensez que c'est quelqu'un que vous l'a envoyé, vous êtes en train de vous épouvanter pour rien, tout seul, et du coup vous partez dans le chemin opposé, et en allant là-bas vous trouvez encore pire, parce que si tu n'es pas, on te dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Je te laisse répondre à cette question, belle âme, ce soir. Et donc, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Joppa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya, autant pour moi, le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 000 dieux. Mais ça veut tout simplement dire que dans ton pays d'où tu viens, si tu es indien, tu vas prier Bouddha. Dans ton pays d'où tu viens, si tu es arabe, tu vas vénérer Mohammed. Si tu es, je ne sais pas moi, catholique, chrétien, peu importe, tu vas prier le Christ. Tu vas prier Moïse si tu es de confession juive. Mais tous ces gens-là sont réunis dans la même grotte parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Et d'ailleurs, on parle souvent de Moïse, c'est le seul qui a vu la face de Dieu comme ça. Hein? Je vous le dis ici. Hein? Parce que même quand le Christ est parti à la montagne et qu'il a commencé à prier, c'est une parenthèse, quand il a commencé à prier et que un de ses disciples a vu qu'il était avec Élie et Moïse. Parce que quand tu es dans la mission de Dieu, tu es couvert dans sa lumière. Et tu n'es pas seul. Ce soir, mes belles âmes, je suis 21 avec Marie, sachez que vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. Mais ceux qui vous attaquent, non, personne. On parle que les gens qui sont avec eux, ils ont les yeux, mais ils ne voient point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent point. Ils ont les mains, mais ils ne touchent point. Ils ont un nez, mais ils ne sentent point. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils ressemblent à ceux qui les fabriquent. Tu t'appelles comment? Joseph? Joseph, confie-toi à l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Ta famille s'appelle comment? Makani? Famille de Makani, confie-toi à l'Éternel. Il est ton secours et ton bouclier. Maison d'Aaron, maison d'Israël, confie-toi à l'Éternel, il est ton secours et ton bouclier. Vous tous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. Amen. On a dit qu'ils ont commencé à prier leur Dieu. D'accord? Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Le Dieu de Jonas était le Dieu, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ce n'était pas celui qui a les mains et qui ne touche point. Et donc, peut-être qu'il voudra penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Tu t'appelles Jonas aujourd'hui? C'est une image, hein? Jonas, c'est celui qui a refusé la mission de Dieu. Alors, ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette parole te rappelle de craindre de Dieu. Est-ce que tu es un enfant indigo qui a une mission divine à traverser, à mener et que tu refuses d'aller la faire ce soir, sur 21 avec Marie? Moi, Marie te dit que malgré les persécutions que tu traverses, tu vas aller vers cette mission parce que tu l'as choisie et c'était ton contrat d'âme. Et que si tu commences à donner des messages aux gens, que tu commences à guérir les gens et que tu as des attaques, sois ferme et mets une structure pour te protéger. Parce qu'elle, elle est là. Elle a besoin juste que tu le fasses et que tu lui demandes de venir. Ce soir, sur 21 avec Marie, quand j'ai vu qu'on a saccagé mes cartes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je vous aide, que je vous apporte des messages, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui commencent à aller vers leur salut. Moi, je ne suis pas là pour moi toute seule. Je suis venue pour travailler pour celui qui est là-haut. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus me contacter, qui sont attaqués par des serpents et que j'essaie d'aider.
que j'essaie d'accompagner. Je dis j'essaie parce que je sais que ce n'est pas moi qui le fais. C'est ceux qui sont avec moi qui le font. Amen. Et cette nuit, j'ai senti la présence d'un serpent autour de moi, au-dessus de ma tête. J'ai rigolé. J'ai dit, maman Marie. Parce qu'elle est partout avec moi. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est qui se passe là au-dessus de ma tête? Qui c'est? Des personnes minables. Ce ne sont même pas des gens qui sont morts. Hein. Ce sont des personnes comme vous et moi. Parce qu'elles ont été dans des alliances. Elles viennent vous faire peur. Ce sont des personnes que quand vous les voyez en vrai, elles vous fuient parce qu'elles ont peur de votre énergie. Mais elles viennent dans la nuit pour vous attaquer dans le sommeil parce qu'elles savent que vous ne voyez pas. J'ai dit, maman Marie, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je veux que tu m'enlèves ce truc sur ma tête. Parce que souvent, je dis à maman Marie, tu sais comment je dors, je te laisse faire le travail. Elle me dit, t'es trop à l'aise, toi. Elle a pris ce serpent de belles âmes. Elle a balancé contre la fenêtre. Il est tombé par terre. Quand tu tombes comme ça, il ne vient même pas te chercher. C'était l'armée de maman Marie qui est venue chercher le serpent. Et ils l'ont jeté par-dessus la fenêtre. Je pense qu'il y a des gens qui vont avoir mal à la colonne vertébrale. Et quand il est tombé par-dessus la fenêtre, elle a pris comme une baguette et elle a envoyé comme ça sur le serpent. C'était un énorme serpent noir pour le neutraliser. La personne n'est pas morte. Hein. Elle va sentir bien les électrochocs là. C'est une personne, on parle de 3 semaines ici. Donc autour de vous, il y a une personne, si vous avez été attaqué ces jours-ci, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont été, soyez tranquille. Vous allez voir quelqu'un boiter ou bien quelqu'un vous dit j'ai mal au dos, j'ai la sciatique. N'allez pas lui parler en vrai comme ça, parce qu'elle n'est pas venue en vrai. On vous dit que le combat n'est pas le combat de chair ni de sang. Ce sont les principautés. Donc, couvrez-vous aujourd'hui, pendant que je vous parle dans cette guidance, dans le sang puissant de Jésus-Christ. N'ayez peur de personne. Parce que ce n'est pas eux qui vous ont envoyé en mission. Cette mission, c'est Dieu qui vous a envoyé. Et personne ne peut entraver votre chemin. J'ai rigolé quand j'ai eu mes cartes aujourd'hui saccagées. Je suis revenue, j'ai récupéré mes cartes. Ouais. Parce que même moi, j'ai failli être comme Jonas. J'ai fui cette mission pendant longtemps. Pourtant, je ressentais qu'il y avait quelque chose de puissant. Ce soir, ce 21h avec Marie, quelle est votre mission? Je continue. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Il y a une personne là qui refuse la mission divine. Et si vous êtes dans ce cas de figure, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit de prendre votre cheval. C'est une image. Hein? De monter sur ce cheval et d'aller, tout simplement, de suivre le cours des oiseaux. De suivre la direction de ces oiseaux. Vous voyez les oiseaux qui sont là, ce sont les messagers. Ça veut tout simplement dire que vous avez la clé, comme pour ces portes. La clé que vous avez ici, c'est d'écouter les messages de vos guides. Sur ce soir, ce 21h avec Marie, on vous demande d'écouter les messages et de suivre tout simplement les conseils, les consignes. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, les personnes qui sont encore peut-être en doute, je vous invite vraiment à vous inscrire pour le séminaire à Cannes au mois de novembre. C'est le 11 novembre et ça va apporter beaucoup d'éclairage. Regardez cette carte. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. On voit ici, on parle ici de la 6 d'épée. On peut voir des masques ici. La porte que vous allez ouvrir ici, ce soir, ce 21 avec Marie, c'est de quitter ces masques. Il y a des gens ici qui se cachent des choses à eux-mêmes, qui se trompent. Ou alors quitter derrière tes masques. On vous parle de voir clair avec l'as d'épée, d'accord? Par rapport à cette situation, la 2 de bâton, c'est quand on prend le pas, on enjambe le pas comme cette femme pour aller de l'avant. On bouge d'où on est.
On quitte, on procrastine plus, on quitte une situation et on avance. Le chevalier de coupe, on avance sur quelque chose qui va nous apporter du bonheur. On arrête de se cacher. On arrête de se cacher. D'accord? Il y a des gens qui passent le temps à se cacher là. Quelqu'un qui va ouvrir un rocher là pour se cacher. Même si tu te caches là-dedans, sous cette grotte là, Dieu te voit. Ça ne sert à rien. Jonas est parti dans le bateau, finalement il s'est retrouvé. Où? Il s'est retrouvé. On va continuer mes belles âmes. Alors on nous dit ici, il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus, toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils ouvrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Quand l'Éternel va capturer ses enfants qui sont perdus, qui sont allés en... On parle de l'enfant prodigue aussi, on peut le dire, mais qui sont allés en perdition, quand il vient vous capturer, il vous met dans un lieu sûr. Peut-être que où vous vivez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un endroit où rien ne va. Mais c'est peut-être qu'un endroit de transition parce que Dieu a un plan autre que pour vous. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui font des guidances sur YouTube, parce que ce sont mes consoeurs, de temps en temps, on échange. Beaucoup ont déménagé entre le moment où elles ont commencé leur guidance et le moment où elles ont continué leur soin. Parce que parfois, tu es en transition. Beaucoup ont déménagé. Parce que le lieu où ils étaient, c'était un lieu de démarrage et après, ils vont aller ailleurs. Oui. Donc, on peut parler ici peut-être des personnes qui sont appelées à prophétiser, des personnes qui sont appelées à aller donner la bonne nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont donner la bonne nouvelle parce qu'avec les oiseaux, on parle de messagers. Vous savez, dans la milice céleste, il y a plusieurs dons. Vous avez l'archange Michael qui tient l'épée comme ça. D'accord? Il y en a qui vont être des messagers comme l'archange Gabriel et d'autres qui vont être comme Saint Benoît pour enlever la sorcellerie, les masques. Des gens qui se trompent. Ce soir, ce 21 avec Marie, les gens vont commencer à avoir ces 3 dons-là. Oui, soit vous avez les 3, soit vous allez avoir 1. Chacun, selon votre foi, vous allez recevoir des dons ici. On parle de clarifier quelque chose. Merci, les guides. Alors, cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé avec le tarot de nuit? On va demander ici, avec ce tarot de nuit, quelques messages sur 21 avec Marie. L'ermite, la 4 de bâton et le roi de coupe. La 7 de coupe, le roi d'épée, la 9 d'épée. Ok. Ok. On parle de la fin d'une situation là. D'accord? La fin d'une souffrance, la fin de quelque chose. Avant de rentrer dans ce message, j'ai un message particulier comme don de donner ici en canalisation. Je veux que vous écoutiez attentivement. Ça peut vous parler, ça peut parler peut-être à une de vos sœurs, à votre maman, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage ou à une amie. N'hésitez pas à partager cette vidéo également. J'ai un message particulier là. Il y a quelqu'un qui est rentré dans une maison. Ça peut être une cousine qui est venue avec un enfant. On parle d'une personne qui vous enviait ou qui enviait peut-être votre maman ou votre sœur, une personne qui était par jalousie, est allé faire des gris-gris pour vous ressembler.
Et dans ces gris-gris-là, on lui a remis quelque chose, un totem qui peut être se transformer en serpent dans la nuit, qui pourra se transformer en monstre dans la nuit. Et elle a été, elle a compris qu'elle avait quelque chose qui était en elle. Elle a été essayer de voir d'autres personnes pour la soigner. On lui a dit, on ne peut pas te soigner. Il faut repartir chez la personne que tu as invoquée pour ressentir. Enfin, je ne sais pas si je vais comprendre. Supposons que quelqu'un a été invoqué, les esprits de mort, pour vous ressembler, pour être comme vous, pour vous copier. Et en allant là-bas, on lui a remis quelque chose de très dangereux dont elle ne s'en rend pas compte. Et pour être guérie, parce que c'est vous qui avez reçu le mystère du royaume, parce que vous avez ce don de guérisseur, de chaman, de couper le feu, de faire ci, de faire ça, de donner des messages. Et cette personne est venue chez vous, sans vous dire pourquoi elle est venue, en rentrant chez vous. Elle peut aussi passer par son enfant, parce qu'il y a des gens ici, c'est parti sur leur enfant. Elle est venue pour vous demander de laver son enfant, donner une douche à son enfant, ou bien de faire quelque chose à son enfant. Vous avez peut-être fait ça, et en faisant en lavant cet enfant, c'est un message particulier. S'il vous plaît, faites attention, parce que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. En lavant cet enfant, cette histoire, ce truc-là, ce totem est resté chez vous. Ça fait longtemps que c'est là. Ça peut faire peut-être depuis 8 ans. Si vous vous rappelez qu'il y a une cousine qui est venue chez vous, ou une tante, ou une personne de votre famille, ou une amie qui est venue avec un enfant en te disant, est-ce que tu peux laver la petite ou tu peux laver le petit? On vous dit aujourd'hui, elle a laissé quelque chose ce jour-là chez vous. Donc, bien sûr, c'est particulier, particulier. Et ça peut venir par jalousie sur vous ou sur les biens de votre famille, votre maman, votre papa, qui a peut-être un héritage, parce qu'on a envie de vous ressembler. On me dit de vous dire ici, dans cette guidance, si vous êtes dans ce cas de figure. Premièrement, la prochaine fois, vous n'avez plus personne. Vous appelez pas Jean-Baptiste. Pas encore. Vous ne l'avez plus personne. Et ce soir, quand vous allez faire votre prière, on va faire cette prière tout à l'heure avec Notre-Dame de Guadeloupe. Je vais aller la chercher, la prière. On va la faire. Vous allez demander à ce que cette personne Alors, c'est marrant parce que c'était un autre message qu'on m'a donné cette nuit que j'avais presque oublié. Parce que hier, on m'a montré certaines personnes qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de mal. Et on m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on leur envoie le mal qu'ils t'ont fait? Et moi, je me suis rappelé qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des esprits de mort, qui sont allés dans les cimetières. Et ça a été foudroyant pour moi à un moment donné. Et je me suis dit, mais même malgré ma foi et ma force spirituelle, je me suis quand même sentie parfois épuisée par ces énergies, à les combattre. Alors cette personne n'a pas la même force que vous, parce que vous avez été, c'est un enfant indigo, elle n'a pas la même foi que vous. Alors si vous leur envoyez ça, quand vous pensez comment vous avez galéré pendant toutes ces années, ces 8 années-là, ou bien ces 10 années, ces 12 années, même à votre pire ennemi, vous n'avez pas envie qu'elle vive ce que vous avez vécu. Donc quand j'ai dit ça, ils ont applaudi là-haut. Ils ont applaudi là-haut parce que, en fait, c'est là où on se rend compte que les gentils ne sont pas les méchants. Quand tu es bon, tu es bon. Tu ne peux pas changer ton âme. Je leur ai dit, je ne peux pas envoyer ça à cette personne. Elle ne pourra pas tenir parce que je la connais. Elle va crever. Alors on m'a dit de vous dire ici ce soir, ce 21 avec Marie. C'est une nouvelle façon dans laquelle vous allez travailler. Je n'aurai même pas besoin d'aller chercher la prière. Parce que quand je vais chercher la prière, on m'a dit, on t'a déjà donné la prière. Et je l'ai écrite la prière dans le téléphone qui est en train, dans les notes du téléphone qui est en train de vous filmer. Donc je ne peux pas aller la chercher puisque je l'ai écrite. Donc je me rappelle de ça et on veut que je vous la donne ici en direct. La prière que vous allez faire, c'est Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Vous pouvez répéter après moi. Depuis toutes ces années, de veiller sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, vous avez, sur ma maison. Je sais maintenant que tu as posté une milice, une armée céleste autour de moi et dans tout ce que je fais, dans mes activités, dans mes relations. Et que ce qui s'est passé devait se passer comme ça parce que toi, tu voulais que je connaisse ton chemin. Amen. Aujourd'hui, Père Tout-Puissant, Vierge Marie Immaculée, par ton intermédiaire, ton intercession, je te prie de venir nous accompagner ici pour mettre du poids dans cette prière. Notre-Dame de Guadeloupe, vous l'appelez parce que c'est la Vierge des familles, des problèmes, des situations compliquées, conflictuelles, de vous aider à prier.
qu'à partir d'aujourd'hui, toute énergie qui va être envoyée négative pour venir détruire votre famille, votre mariage, vos enfants, vos biens matériels, votre santé, cette énergie, quand elle va arriver, vous voyez ma fenêtre là, il y a une vitre. Quand elle va arriver, avant de toucher la fenêtre, qu'elle se transforme en abondance positive. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas dire qu'on n'envoie pas les énergies négatives. Qu'elles envoient. Mais à chaque fois que l'énergie négative va venir, avant d'arriver, il y a un mur, il y a un verre qui est de protection autour de vous. Avant que ça ne touche le verre, ça se transforme en énergie positive. Hein? Vous voyez, imaginez votre corps comme un arc-en-ciel. Imaginez que tout ce qu'ils vous ont fait, ils vous ont enlevé certaines lumières de l'arc-en-ciel. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Il y a un arc-en-ciel, c'est magnifique. Et chaque partie de votre corps a des couleurs, comme les 7 chakras. Alors aujourd'hui, vous allez demander que partout où il y a un vide à cause de leurs perturbations, à cause de leurs attaques mystiques, à cause de leur jalousie, que toute énergie négative forgée contre vous, toute malédiction, toute sorcellerie soit transformée aujourd'hui en abondance. Abondance qui viendra combler chaque couleur de votre âme. Où ça manque? L'argent, l'amour, la paix, la sécurité, la prospérité, la santé. Vous demandez que tout ce qui va vous envoyer soit transformé en amour ici ce soir, ce 21h avec Marie. Ils vont se dire, mais ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois que je vais lui envoyer le propre, ça va se transformer en abondance. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre que chaque énergie qu'ils vous envoient, ça va se transformer en victoire, en abondance. Et comme eux, ils veulent que vous soyez plutôt en rétrograde, que vous soyez plutôt en destruction, mais en fait, vous ne leur dites pas qu'eux, ils soient mal, mais vous dites juste que tout ce qu'ils vous envoient, ça se transforme en abondance. Vous allez voir que vous allez avoir des montagnes d'abondance, parce que je peux vous dire que là-dehors, vous avez des ennemis. Il y en a tellement que vous ne pouvez même pas imaginer, même ceux qui vous sourient. Donc, à partir de ce soir, sur 21 avec Marie, toute énergie négative qui est envoyée contre vous se transformera en positif, en abondance positive sur cette guidance de 21 avec Marie par le pouvoir qui m'a été donné pour les soins, pour l'accompagnement, pour les messages et pour exorciser les gens, pour débloquer les situations. Ce soir, je me tiens sur l'Europe dans le sang puissant de Jésus-Christ pour transformer cette parole en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Waouh! Ce soir, ce 21 avec Marie, on a la 10 d'épée. C'est la fin d'une souffrance. C'est la fin d'une situation. Quelqu'un qui était à terre, qui était dans de l'eau trouble, qui était presque mort. Mais cette personne, quand vous regardez de près, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une constante qui m'a dit, tu fais les quatre comme ça, on ne voit pas ce que tu y as dessus. Mais c'est pour vous partager ce que j'ai. Je sais, vous avez choisi ce système de me voir et voir les cartes. Donc, par moi, j'ai quand même envie de vous faire partager ce que je vois. Même si ce n'est pas évident, mais au moins, vous allez voir peut-être la trame ici. Il y a un monsieur qui est couché. Il a le visage, le nez en l'air. Il est dans une eau presque pourrie, trouble. On parle de la fin de ce cauchemar. La fin d'un cauchemar ici, il y a peut-être une femme qui a quitté un lieu là. Un endroit, une famille avec un homme, quitter un homme ici, vous êtes parti, vous avez tourné le dos. Mais on voit que vous avez tourné le dos, mais vous regardez toujours en arrière. Ça veut dire que ce n'est pas une relation qui a été coupée, ce n'est pas fini encore. Mais on vous dit ce soir, ce 21 avec Marie, avec l'ermite, on vous demande de prendre votre lampe, avec votre bâton de pèlerin, et on peut voir ici, on a un hibou, cette belle femme, avec cette magnifique robe, moi qui adore les robes des couturiers. J'adore. Si vous êtes couturier, je veux bien essayer vos tenues et vous faire de la promotion sur ma chaîne. Rigolez pas, je suis franche. Si vous êtes couturier et que vous m'écoutez, je veux bien mettre vos tenues. On voit une belle femme là, d'accord, qui va dans la grotte pour prier. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous demande de prier. Je rigole avec vos blagues, mes belles âmes. Ou si vous avez un ami couturier, dites-lui,
Marie peut faire tête tenue. On vous dit quand vous allez faire aller dans cette grotte pour prier, mes belles âmes. Soyons sérieux. Allez, on se reprend. Mais parfois, ils me poussent à dire des bêtises. On me dit, c'est pas des bêtises. Tu peux faire la promotion des vêtements d'un couturier. Voilà. On me dit de vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, quand vous allez prendre votre lampe, vous allez prendre ce bâton de pèlerin, vous allez partir dans votre grotte, demander au divin, accepter cette mission et ne pas fuir comme Jonas. On parle ici, vous allez obtenir la sagesse parce qu'il y a un animal totem là. C'est une chouette ou un hibou qui va vous apporter la sagesse. Ça, c'est le symbole de la sagesse. Vous allez commencer à vous ancrer avec la carte de bâton. Vous allez vous ancrer, vous allez comprendre par rapport à elle. Il y a un roi de coupe ici. Le roi de coupe peut représenter votre autre aussi. Il est beau ce monsieur. Regardez. On peut parler également avec ce roi de coupe, avec cette carte de bâton. Ça c'est la famille, la stabilité. Ça peut aussi être une demande en mariage parce qu'on voit que cette femme est habillée avec une jolie robe blanche. Ça peut être des fiançailles. Ça peut être des retrouvailles. Ça peut être un restaurant, ça peut être un début d'une relation. On parle de quitter la fin d'un cauchemar. Une situation où vous ne dormez pas. D'accord? La 9 d'épée, ça a été compliqué dans le passé par rapport à... Soit c'est peut-être ces énergies qu'on vous envoyait qui vont être coupées aujourd'hui. Parce que avec la prière que vous venez de faire, vous allez transformer toutes ces énergies négatives en positivité. Profitez parce qu'en cette période de pleine lune, il y a beaucoup de choses qui vont être transformées. Et si vous avez remarqué, je ne fais pas souvent les pleines lunes. On m'a poussé à les faire. Donc, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant de pleine lune. Et d'ailleurs, je ne les ai pas encore terminés. Il me reste 7 signes à faire. Et je suis à quelle heure là? Il est 18h24. Donc, je dois les faire ce soir après votre guidance de 21 avec Marie. Donc, vous allez obtenir cette guidance beaucoup plus tôt. Mais allez voir votre signe ascendant lunaire sur les énergies de la pleine lune, parce que cette pleine lune va changer beaucoup de choses. On parle de nouveau départ. La 7 de coupe vous parle ici d'un choix à faire avec un homme, ou si vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme. Ici on parle d'une énergie, peut-être que vous avez l'énergie de Yin, de Yang ici plus présente. On parle de quelqu'un qui est très mystérieux, hein. Je vois l'énergie ici, quelqu'un qui porte beaucoup de violet autour de lui. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Ça peut être quelqu'un qui est spirituel ou qui commence à s'ouvrir dans la spiritualité. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une non-communication avec cette personne. Il y a quelque chose qui a été mis en froid. Et il y a une personne ici, je vois une femme, mais vous changez encore une fois l'énergie. Une femme qui a des cheveux peut-être rouges ici, qui regarde encore en arrière par rapport à une situation. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous invite à accepter votre don et à commencer à cheminer, parce que j'ai ici le fou. Le fou, c'est quand on va quitter, on va accepter de partir vers la mission comme Jonas. On parle de la 7 épée ici, quelqu'un qui nous a trahis, d'accord? Il y aura peut-être de la mise au point par rapport à une situation pour finir par accepter ce chemin de vie. La 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. On vous demande de faire un travail sur vous pour quitter cette situation. On parle de la route de la fortune ici. La route de la fortune peut représenter également l'univers qui vient vous pousser parce que vous avez peut-être mis du temps. J'ai 3 personnes ici. On parle de 3, peut-être 3 dons ici qui vont se révéler à vous pendant cette période. Le jugement, c'est quand Dieu décide que maintenant, voilà, il redonne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'accord? Vous avez quitté un endroit, mais vous avez quitté un endroit, vous allez gagner 3 choses en plus. 3 cadeaux. Vous allez recevoir quelque chose ici. À cette épée, on parle de la convalescence. Avec ce roi d'épée, on parle ici de la tour. Quelque chose va être mis à terre. Mis à terre dans une relation pour la reconstruire au mieux. Ou pour vous reconstruire au mieux. On parle de l'étoile, ce sont vos guides qui vous protègent. Merci les guides de nous donner un dernier message avec ce tarot. Merci, merci. Ouh la vache! Ok. Quelque chose était bloqué. Il y avait un blocage quelque part là. Ici, il y a quelque chose qui a été fait. Wow, between. C'est entre deux mondes. Donc, on peut parler de quelque chose qui était vraiment dans l'autre monde. On a bloqué quelque chose ici. On voit le feu, on voit le blocage. Une maison qui était
On vous a mis la tête à l'envers dans le feu, à un endroit où vous n'avez pas la possibilité de sortir. Mais avec le jugement, on parle encore de contrat ici, de woman refuge. Peut-être que vous avez été dans un refuge de femmes, je ne sais pas. Mais on vous dit, c'est que vous allez retrouver. Vous allez retrouver la victoire parce que pour moi, il y a quelque chose qui doit se transformer ici. Et ça vient du ciel. Après avoir beaucoup pleuré, on parle ici d'un couple avec un enfant. Il y a des gens qui ont eu la tornade ici dans leur couple. Avec la tour, on a quoi? La trois de bâton. Quelqu'un est parti. Il y a des gens qui ont quitté un endroit là. Ça peut aussi être un couple qui a quitté un endroit. Peut-être qu'il y a eu des incendies où vous habitiez. Vous avez peut-être perdu votre maison. Il y a peut-être eu... J'entends ici peut-être qu'il y a des gens qui ont été chassés d'un village. Il y a peut-être eu le feu, une inondation, un incendie. Je ne sais pas. Et ici, j'entends ici peut-être des gens qui habitent à côté des volcans. Il y a une maison qui a peut-être pris feu ici. Vous avez perdu tout. Vous êtes parti ici. Il y a des gens... Ouais, c'est particulier. Hein? Ouais. On parle des gens qui sont retrouvés face à la montagne, face à quelque chose qui n'avançait plus. Mais vous êtes resté fort parce que quelqu'un vous accompagnait. Des hérophantes et pas n'importe qui, le divin. Waouh. Je vais prendre celles qui sont retournées. Elles sont tombées beaucoup, hein, quand même. Le chariot, les ennemis. Vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Le magicien, ok. Vous allez avoir la victoire sur vos ennemis. Qu'est-ce que je peux mettre là? Je vais bien les mettre ensemble. L'as de bâton. Ok, le chariot et la roue de la fortune. Vous allez quitter ces énergies-là qui ont été bloquantes pendant longtemps. Et je te coupe 9 de... Ouais. 6 d'épée, beaucoup de trahison. Il y a peut-être eu de l'adultère aussi ici, pour certaines personnes, bien sûr. C'est pas c'est une guidance générale. Waouh! Il y a des gens là à qui on a fait des poupées de vaudou, quelque part. Et je pense que vous avez un enfant qui a été... Il y a un enfant ici, une petite fille, qui doit avoir entre 8 ans et peut-être 12 ans, qui a été ensorcelée dans le vaudou. Regardez, cet enfant, c'est un enfant indigo. Et sa force intérieure a pris la poupée et l'a écrasée comme ça. Ouais. On parle de quelqu'un qui se mord la queue là comme le serpent. Vous voyez la crête à l'arrière? Le serpent qui se mord la queue comme le roboros. Votre enfant, vous savez un enfant qui est un enfant indigo. C'est peut-être là votre enfant intérieur ou c'est votre enfant, je ne sais pas. Mais on parle de quelque chose qui est venu attaquer un enfant ici. Et cet enfant... C'est un enfant peut-être qui commence à prier aujourd'hui, commence à faire des choses. On parle de la force de cet enfant. C'est un enfant qui est toute, elle est toute maigrichonne peut-être. Elle n'est pas très grosse, mais on parle d'un enfant qui a une force ancestrale. Une force ancestrale. Waouh. 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui se cache là. Qui a fait du mal, mais qui se cache. Qui est recherché. Wow. 4 d'épée, la misère, l'avarice. Il y a quelqu'un qui se cache peut-être ici par rapport à une famille qu'on cherche, qui doit peut-être de l'argent aussi, je ne sais pas. 3 d'épée. Burnout, dépression. Il y a beaucoup de messages dans mes belles âmes. Il y a beaucoup, beaucoup trop de messages. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y aura des retrouvailles ici avec une famille. Il y aura la joie. Il y aura le retour ici parce que vous êtes protégés, vous êtes guidés. J'ai vraiment la 4 de coupe ici. J'ai la 2 de coupe et j'ai le roi de coupe. D'accord? Et la lune ici, vous allez quitter ces angoisses, ces peurs. Il y a une personne qui doit partir là, qui va quitter un lieu là. Ça, c'est clair, c'est net ici. Où il n'y avait que des blocages. Il n'y avait que des blocages. Il n'y avait que des blocages pour aller vers son abondance. On quitte également un roi d'épée. Il y a une personne là, dans votre entourage, qui est dans une secte, qui est dirigée par un esprit. Il y a une personne qui est dans une secte là. Hein? Qu'est-ce que je peux avoir ici? On parle d'un faux roi. Quelqu'un qui a, on parle de, il a des yeux, mais il ne voit point. Ouais, un faux roi qui lui donne des ordres.
Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que je t'en donne des messages, parce qu'on sait que je vais vous ouvrir les yeux. 7 de bâton. Il y a des gens qui sont en train de fuir un endroit là parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on a parlé des portes la dernière fois. On vous a parlé des portes ici, d'ouverture de portes, de deux portes qui étaient quelque part, de faire le choix de portes. Je vois des cases. Il y a des gens qui sont partis, qui étaient dans un village, faire des rituels, des rites ici. Et ils ont compris qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Et vous fuyez là. Il y a un couple ici qui est parti quelque part faire un truc. Et là, ils n'ont que les flambeaux pour fuir, pour trouver leur chemin. Parce qu'ils sont vraiment dans le noir là. D'accord? Il y a peut-être une autre personne ici qui crache du feu. Autour de vous. Autour d'un homme ici. Qui est couché, qui est alité. D'accord? Vous allez recevoir des messages dans la nuit. Il y a un homme ici qui est alité, qui est à terre. Et il y a une personne qui crache du feu autour de lui là. Quelqu'un peut-être qui est très malade qu'on essaie de soigner. Et vous êtes parti peut-être faire des trucs, des rituels ici. Je ne sais pas. Faites attention où vous mettez vos pieds, mes belles âmes. Demandez à la source de vous accompagner. Demandez au divin de vous aider. Waouh! Je ne sais pas si vous allez voir la carte, mais enfin bon. Regardez la carte. Le cercle. Il y a un enfant là qui est habillé tout en blanc. Qui a mis un cercle de protection. On vous a dit tout à l'heure de protéger votre énergie autour. Cet enfant ressemble à un ange. Il est avec un autre enfant. Alors, c'est assez bizarre ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il y en a un qui a une pelle pour creuser et l'autre qui a du feu. On peut parler ici qu'il y avait quelqu'un qu'on voulait enterrer, ou qu'on voulait faire peut-être du mal, qu'on voulait tuer parce que la pelle et un cercle pour creuser. La guidance commence à être longue. Je ne vais pas la faire en deux fois. De bâton, le fardeau. L'as de coupe. On vous dit que vous allez quitter ce fardeau. Hein? Alors, si vous avez perdu un enfant, c'est une guidance générale bien sûr, et que depuis vous avez perdu peut-être au pied, vous êtes pas malheureux, vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de. On vous dit ici, remettez ça au divin. C'est un fardeau que vous ne pouvez pas porter toute seule. Remettez ça au divan. Et on parle de quelque chose qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. J'ai le soleil qui commence à sortir là dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes encore en souffrance avec un enfant qui est parti de l'autre côté. On parle d'un ange ici. D'un ange gardien ici. Un enfant qui est devenu un ange gardien. On parle de la justice. Vous avez eu un gourou là, quelqu'un qui n'est pas bien là, qui est dans une secte, qui va voir un gourou et qui a essayé de vous mettre dans une forme d'enfermement ou de prison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est un message particulier qui parlera à une personne ou plusieurs, je ne sais pas, mais on parle de justice ici. Là, c'est l'épée. L'épée, plutôt. La justice, c'est vous enlever dans cette situation et vous amener vers un nouveau départ avec un roi de coupe. Il y a des gens qui vont commencer une nouvelle vie là avec quelqu'un qui... je vois un bel homme ici, un Africain plein d'abdominaux, un roi de coupe, quelqu'un de fort qui va vous permettre de quitter votre souffrance. C'est ce qu'on me dit ici. Et ça va être la justice divine. On parle de quelqu'un qui est descendant d'Abraham. On va nous dire qu'on est tous descendants d'Abraham, mais quelqu'un qui a des muscles ici, qui est fort, un homme fort. J'ai que de l'amour là. Et j'ai aussi des grossesses ici pour certaines personnes. Nouveau départ. Beaucoup d'amour dans un couple ici. Il y a des gens qui vont se réunir, qui vont former des familles. Et on parle de stabilité financière à venir. Oui, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite financière. De toute façon, plus on vous enverra des énergies basses, plus vous allez recevoir l'abondance. Parce que ces personnes comprennent qu'en fait, il faut qu'elles arrêtent. Parce que tout ce que vous enverrez, elles vont comprendre que ça se transforme en abondance positive. Vous pouvez faire également vos vœux de cette pleine lune de demain. Et mettez bien sur votre petit papier de vœux, les demandes à Dieu, à l'univers, comme vous voulez l'écrire. N'oubliez pas de mettre abondance positive, parce qu'on peut aussi avoir l'inverse. Hein.
abondance positive, suivi du mot positive. Voilà mes belles âmes, je vous remercie d'avoir été là sur cette guidance qui a commencé à prendre un peu plus de temps que prévu. Mais bon, les messages quand ils viennent, je ne peux pas les... On vous demande de regarder les signes qui viennent à vous. Avec ma Marie ici, reine des anges, elle vous dit, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. On vous demande de rester sobre ici, sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Si vous commencez à vous épouvanter que j'ai fait un rêve, le serpent voulait me tuer, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça, vous commencez à paniquer, eux, ils adorent ça parce que vous êtes dans l'énergie basse, la peur. Restez sobre. Quoi qu'il se passe, stoïque, vous écoutez votre prière, vous mettez les sourates, le rosaire. Allez voir sur YouTube, sur Internet, la prière à Notre-Dame de Guadeloupe. Mettez des limites également aux personnes qui n'ont pas compris qui vous êtes. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Et demandez au Père Céleste ici de vous aider. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière brille sur moi et sur mon Père biologique et sur notre relation. On vous demande de donner et recevoir ici sur cette vidéo de 21 Ave Marie. On vous dit j'équilibre aux générosités car les deux sont d'égale importance. Mes belles âmes, cette carte peut vous inviter également à faire un petit don. Soit l'association pour qu'on ait toujours des belles fleurs ou qu'on ait des bougies toujours pour pouvoir lutter contre ces énergies. Depuis qu'on a mis les bougies de Sainte Rita, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de déblocages. Alors, continuez, ça marche. Continuez, ça marche. Donner et recevoir, on parle d'un mariage ici avec Dieu et avec les autres. Intégrité, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. Par rapport à un mariage, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et on parle ici de la famille. Vous allez retrouver la joie dans une famille. C'est ce qu'on a ici sur le côté, la joie. Et on a la trois de coupe ici. Il y a peut-être des gens qui vont se retrouver, la famille, pour un mariage, pour des festivités cet été, pour des fiançailles. Peut-être des gens qui étaient fâchés. Vous allez vous retrouver ici. On parle de pardon, de retrouvailles, on parle que ce sont les guides qui vous ramènent ça. La famille ici, on vous dit ici, je vois beaucoup d'enfants. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. On vous demande de rester dans la compassion, d'accord? La compassion, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons les enfants, enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Et enfin, j'ai féminité. On vous demande de reprendre votre féminité ici. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Mes belles âmes, je ne peux pas repartir sur le texte de Jonas, mais je vais vous finir l'histoire de Jonas, comment ça s'est terminé. Jonas a fini par être échoué par la baleine à Ninive, comme Dieu le voulait. Et quand il est sorti, il a prié son Dieu. Vous pouvez aller regarder Jonas dans la Bible également. Vous allez comprendre. Il a prié son Dieu. Et c'était quel passage, Jonas? Vous allez dans Jonas. De toute façon, Jonas dans la Bible, c'est pas très long. Hein? C'est pas très long. Hein? C'est pas très long. On vous dit ici que quand il est sorti, qu'il a été échoué par le poisson, il a remercié le Seigneur. Il a demandé pardon. Il a compris qu'il ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et Dieu l'a quand même un peu puni parce que 3 jours dans le ventre de la baleine, voilà, Dieu, il peut aussi nous châtier. Hein, donc voilà, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Et quand Dieu nous punit, il nous punit selon sa justice. Et quand il est sorti Jonas, il a été brûlé par le soleil parce qu'il n'y avait pas d'abri. Et finalement, il a quand même été faire la mission que Dieu lui avait donnée. Donc acceptez votre mission, n'attendez pas de vous retrouver dans le ventre de la baleine comme Jonas. Ni va avec le soleil qui vous brûle de partout. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Demandez au Christ de vous accompagner ce soir sur cette guidance de 21 avec Marie et restez couverts dans le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Il vous dit ici, le Christ vous dit, écoutez les 3 derniers messages, il y en a 4. Il vous dit, le Christ, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. L'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, ça peut être aussi un message, ça peut être l'instrument
qui est cette chaîne, qui est moi, pour vous transmettre des messages. Ça peut être un pasteur, ça peut être une autre qui consorte sur les chaînes. On vous dit ici, et vous ressentirez que dans cet endroit, il y a des choses qui m'appellent. Il vous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. L'Esprit Saint est avec nous de toute façon. Il est toujours présent. Quand on l'écoute, même dans votre chambre ce soir, demandez à l'Esprit Saint de vous guider. Il vous guidera. Et il vous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, avec Marc 12, 30. Tu ne peux pas être avec Dieu et aller faire des féticheurs. Ça ne marche pas. À partir du moment où tu acceptes d'aimer Dieu, tu restes là. Même quand tu es attaqué, dis Seigneur, je t'ai déjà donné ma vie, je t'ai donné mon corps, c'est à toi que j'appartiens. J'ai l'alliance avec toi. Quand tu as dit ça, ferme tes yeux, tu dors. Ils vont faire quoi? Ils vont te prendre, ils vont t'amener dans la nuit? Ils ne vont pas le faire. Ils vont essayer de te faire peur, c'est tout. Oui, ils vont essayer de t'attaquer, c'est tout. Mais ils ont compris cette nuit qu'en jetant mes cartes, ça ne marchait pas. Parce que ici, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et continuez de m'enseigner de là-haut. Et il vous dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Avec Luc 10, verset 9. Et enfin, le Christ vous dit ici, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avec Matthieu 5, verset 16. Le chiffre 5, il faut savoir ce que c'est un chiffre de changement. Et le chiffre 16 parle ici de la tour. La tour, c'est quand on met à terre la tour de Babel, la tour des horreurs. On met Babylone à terre pour construire ici Sion. On parle ici de quelque chose qui a été en dualité, en force, difficile. Ça peut concerner un couple, un enfant, une maison. Et on vous dit que rien ne vous serait impossible ici. Rien ne vous serait impossible. Avec cette carte, le Christ porte un enfant. Ça peut être vous, votre enfant intérieur, votre enfant proprement dit, avec Matthieu 17, verset 20. D'accord? Vous allez comprendre les signes ce soir, ce 21h avec Marie. Il vous dit, vous êtes la lumière du monde avec Matthieu 5, 14. Donc, le 5 parle encore de dualité, quelque chose qui a été compliqué, des combats qu'on vous fait pendant la nuit, dans votre sommeil, dans la vie de tous les jours. Mais avec le 14, on vous promet ici la guérison et la tempérance. Et le Christ vous dit enfin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, avec Matthieu 28, verset 20. Mes belles âmes, ce soir, ce 21h avec Marie, acceptez le divin dans votre vie. Acceptez de remettre votre vie à Jésus-Christ, à Marie. Et confiez tous vos problèmes à la source. Parce qu'eux, ils vont envoyer l'armée qui doit siéger chez vous. Afin que vous soyez toujours victorieux et vainqueurs de vos ennemis. Merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Merci Seigneur Jésus. Merci Marie. Merci Joseph. Merci les archanges Michael. Sainte Rita. Saint Jude, Notre-Dame de Guadeloupe et bien d'autres qui sont avec nous. Gabriel, Raphaël, Uriel. Et merci pour les miracles de ce soir, Maman Marie, avec Notre-Dame des miracles. Amen. À bientôt, mes belles âmes. Encore une fois, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté.